Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis taureaux pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. Hier on a vu votre guidance générale lors de la récolte est arrivée, il est temps d'en profiter, je vous en dis pas plus, allez la voir à la fin de cette guidance. Je vous mettrai tout simplement en lien, vous aurez juste à cliquer dessus. Alors aujourd'hui au niveau sentimental, je vais utiliser l'oracle des esprits protecteurs et en tarot, tout simplement des plus basiques mais ô combien magiques et magnifiques. Tout en noir, doré, en or. C'est beau, c'est magnifique, vous allez voir, tout va prendre sens pour vous pour ce mois de septembre, mes chers taureaux et ascendants. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir tout simplement les autres vidéos que je vous partage au quotidien. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, un tirage sentimental pour tous mes chers amis taureaux et ascendants pour ce mois de septembre. Voilà. Et la synthèse de ce tirage. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer pour vous, mes chers amis, pour le mois de septembre? On a déjà la première lame, le 9 d'épée. Alors, faites très attention pour ce mois de septembre, parce que juste après le 9, il y a le 10 d'épée, qui est la mort totale, l'épuisement, le burn-out, et la dépression qui arrive. Tout ce qui est très négatif. Le 9, c'est juste un petit peu avant. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui fait que vous êtes anxieux? Manque de sécurité? Vous avez peut-être trop dépensé d'argent pendant vos vacances? Vous avez tout dépensé? Et là, les impôts tombent. Vous aviez totalement oublié que la taxe foncière arrive, par exemple. Ou que dans votre couple, ça ne fonctionne plus parce que les rentrées d'argent, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Donc voilà, au niveau sentimental, on voit très clairement qu'il y a un problème de sécurité financière et que vous vous sentez véritablement seul et non soutenu par votre partenaire de vie. Alors, on va voir comment faire pour résoudre cet obstacle pour ce mois de septembre, mes chers amis taureaux et ascendants. On a ici le 8 de coupe. Alors, l'émotion, elle est à son comble. On vous indique ici tout simplement de partir et d'avancer, d'accord? Il est extrêmement important d'agir dès à présent et d'avancer sur votre propre chemin spirituel. Il est peut-être l'heure de la séparation. Si vous êtes tout simplement en couple et que vous aviez tout simplement pris l'engagement à l'époque de vous séparer et vous vous êtes dit au mois de septembre à la rentrée, je laisse passer l'été, on va en profiter au mois de juin, juillet, août, on va profiter au max de vivre la situation en couple. Mais ça y est, c'est la rentrée, ma décision, elle est prise, je vais tout simplement lancer la démarche du divorce, de la séparation. Il est extrêmement important pour moi d'avancer. Puisque tout simplement dans notre vie de tous les jours, le couple ne fonctionne plus. Vous êtes totalement à la ramasse. Voilà ce que ça veut dire. Il est important de passer à autre chose et vous devez le faire maintenant. Pas plus tard, car sinon des choses encore plus dures vont finir par arriver.
Ce tirage, il est extrêmement difficile pour moi de vous le faire, mais voilà. En toute honnêteté, quand les lames, elles parlent pour moi depuis de très nombreuses années, et quand je dois vous envoyer des messages, même très négatifs, sur le coup, qui vont être très positifs, hein, parce qu'on a ici la lune qui vous indique que ça va être une période très difficile, mais sachez que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous par la suite. On va voir ça tout de suite avec cette lame, et oui, on le voit, hein, le 4 de coupe, les émotions, elles vont être... Ça va être très difficile, mais on voit ici le nuage, la main, la première des coupes. D'accord ? C'est une opportunité qui se présente à vous, là. Ok ? Ça va être très difficile pour vous, mais vous avez pris cet engagement de le faire. Sachez que vous n'êtes pas seul. D'accord ? Je suis là pour vous accompagner et vous guider dans cette étape très difficile. D'accord ? N'oubliez pas que je suis là en permanence. D'accord ? Donc, si vous voulez me contacter pour une guidance, un tirage, une consultation, un coaching en privé, n'hésitez surtout pas. D'accord ? Vous avez des liens tout en dessous des vidéos et vous pouvez me retrouver facilement sur les réseaux. Je suis accessible pour toute personne, bah, tout simplement, qui souhaite un accompagnement, une guidance personnelle. La quatrième lame ici, c'est l'empereur. Vous avez le pouvoir de faire de votre vie un miracle ou une déception totale. Vous avez toujours le choix. N'oubliez pas que c'est vous le créateur, la créatrice de votre vie. Donc c'est à vous de créer votre bonheur ou votre malheur, d'accord ? Et la synthèse de ce tirage ô combien extrêmement puissant, c'est notre très chère mère nature qui nous l'indique. Sentez-vous aimé et rassuré, car elle prend en charge tout ce qui n'est pas de votre ressort. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de ce qui se passe à l'extérieur du monde, mais vous pouvez contrôler vos émotions, vos ressentis. Il n'y a que vous qui sachez pourquoi vous vous sentez aussi mal. Il n'y a que vous qui sachez qu'il est important de partir avant que les choses se dédramatisent par la suite. D'accord ? Alors, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée en tout cas. Prenez soin de vous, même si pour ce mois de septembre, des décisions difficiles vont être à prendre de votre côté. Sachez que si vous avez le courage de prendre ces décisions difficiles, je suis là pour vous accompagner et vous guider à travers tout simplement ces décisions difficiles à prendre. Voilà, je vous souhaite tout simplement une bonne journée et je vous dis à demain pour votre guidance Gémeaux si c'est votre ascendant, ou à tout à l'heure en consultation. Allez, à tout à l'heure, bye. Merci de votre abonnement.